Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler sur les genres des noms. Les genres des noms en français peuvent souvent être déterminés en fonction de leur déminaison. Au masculin, généralement, on a des noms se terminant par H, le garage, O, le bateau, isme, le journalisme. Au féminin, généralement, on a des noms se terminant par Sion, la nation, IT, la qualité, pour, la culture, etc. Voici un tableau récapitulatif sur les genres de noms en français. Selon la terminaison, on a au masculin les terminaisons man, les bâtiments, les terminaisons sion au féminin, la relation, annoir, les devoirs, ancien, la vision, anal, le cheval, anance, la nuance, anneau, le bureau, anence, la science, anache, le mariage, anade, la promenade, année, le délai, ante, la liberté, à nous, les bijoux, à nous, la voiture, à nier, les policiers, à nier, la pharmacie, à nisme, le capitalisme, à nier, la policière, en fond, le téléphone, Annette, la recette. Ancide, l'homicide. Annesse, la richesse. Androme, les syndromes. Anine, la vitamine. Anscope, le microscope. Anlogie, la sociologie. Un mètre, le sonomètre, en phobie, la logophobie, et en gramme, le télégramme, année, la matinée. On va voir maintenant toutes les règles en parent. La terminaison man pour les noms masculins et sion pour les noms féminins. Par exemple, les noms terminant en man ou masculin, les mouvements, les jugements, les traitements, les développements, les gouvernements. Les noms terminants en sion au féminin, la communication, la nation, la tradition, la constitution, la direction. Voici des phrases exemples. Le médecin a prescrit un traitement efficace pour sa maladie. Nous suivons la tradition familiale de célébrer Noël ensemble. Le mouvement social a gagné en popularité ces derniers mois. La nation célèbre son jour de l'indépendance. Et maintenant, des exemples avec la terminaison « war »
pour les noms masculins et Sion pour les noms féminins. En noir masculin, on a devoir, savoir, pouvoir, l'espoir. En Sion féminin, fusion, mission, conversion, session, discussion. Voici des exemples. Le devoir des citoyens est de voter lors des élections. La conversion de l'énergie solaire en électricité est une innovation majeure. Le savoir est une clé précieuse pour la réussite dans la vie. La fusion de deux entreprises a créé un géant de l'industrie. Et maintenant, des exemples avec la terminaison « al » pour le nom masculin et « anans » pour le nom féminin. Au masculin « al », on a, par exemple, le cheval, le festival, l'animal, le journal, l'idéal. Anans, au féminin, on a la nuance, la tolérance, l'élégance, la confiance, l'importance. Par exemple, on a les phrases « Le cheval galope dans les champs avec élégance ». La nuance de couleur dans le ciel au coucher du soleil était magnifique. Le journal quotidien rapporte les dernières nouvelles. La confiance est la clé d'une relation solide. Et maintenant, des exemples avec la terminaison « ou » pour le nom masculin et « our » pour le nom féminin. Avec « ou » au masculin, on a par exemple « les bijoux »,« les fous », »,« les vous » et « en our » au féminin, on a « la culture »,« la peinture », l'aventure, la structure, l'écriture. Voici des phrases d'exemple. Le bijou était un cadeau précieux de sa grand-mère. La structure du bâtiment était impressionnante du point de vue architectural. L'hibou est un oiseau nocturne qui chasse la nuit. La peinture murale ajoute de la couleur à la pièce. Et maintenant, des exemples avec « ie » pour le nom masculin et « i » pour le nom féminin. Avec « ie » en masculin, on a par exemple les policiers, les cuisiniers, l'ouvrier, les plombiers. Avec la terminaison « i » en féminin, on a la pharmacie, la boulangerie, la papeterie, la mairie. Voici des phrases d'exemple. Le policier a résolu l'enquête avec perspicacité.
La pharmacie offre une variété de médicaments et de conseils. Le cuisinier prépare des plats délicieux dans ses restaurants. La mairie est le lieu où sont prises les décisions municipales. Et maintenant, des exemples avec la terminaison isme pour le nom masculin et hier pour le nom féminin. Avec la terminaison isme au masculin, on a le capitalisme, le journalisme, le surréalisme, le féminisme, le patriotisme. Et à Nier, au féminin, on a la fermière, la caissière, la pionnière, la cuisinière. Voici des exemples. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production. La fermière prend soin des animaux et cultive des produits frais dans sa ferme. Le patriotisme est l'amour et la loyauté envers son pays. La caissière travaille à la caisse enregistreuse du supermarché. Maintenant, des exemples avec la terminaison phone pour le nom masculin et et pour le nom féminin. Avec la terminaison phone pour le masculin, on a, par exemple, téléphone, microphone, smartphone, dictaphone. Et avec la terminaison et au féminin, on a trompette, baguette, canette. Voici des exemples. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Je dois retourner le chercher. La trompette retentissait joyeusement pendant le défilé. Utilisez le dictaphone pour enregistrer vos idées pendant la réunion. Elle a acheté sa baguette magique et un lapin est apparu devant nous. Et maintenant, des exemples avec la terminaison SID pour le nom masculin et S pour le nom féminin. Voici des exemples pour le nom masculin avec SID. Homicide, suicide, infanticide, génocide. Et pour le nom féminin avec S, on a richesse, tristesse, jeunesse, sagesse. Voici des exemples. L'homicide a été commis hier soir dans le quartier. La richesse de cette région réside dans sa diversité culturelle. Le suicide est une question complexe qui nécessite un soutien professionnel. La jeunesse apporte souvent un regard neuf et des idées innovantes.
Maintenant, des exemples avec la déclinaison en cop pour le nom masculin et logis pour le nom féminin. On a par exemple pour le nom masculin avec scope, microscope, télescope, stéthoscope, péricope. Et pour le nom féminin avec logis, on a sociologie, biologie, psychologie, géologie. Voici des exemples. Le télescope offre une vision rapprochée des étoiles et des planètes. La biologie explore la vie et les organismes vivants. Le stéthoscope est un outil essentiel pour écouter les battements du cœur. La psychologie examine les processus mentaux et les comportements humains. Maintenant, des exemples avec la terminaison anash pour le nom masculin et anad pour le nom féminin. Pour le nom masculin avec H, on a par exemple mariage, voyage, bagage, message. Et pour le nom féminin avec ad, on a promenade, salade, parade, cavalcade. Voici des exemples. Le mariage de Claire et Pierre a eu lieu dans une charmante église. La salade fraîche est le choix idéal pour un déjeuner léger. Assurez-vous de récupérer vos bagages à la sortie de l'aéroport. La parade de carnaval a attiré des milliers de spectateurs. Maintenant, des exemples avec la déclinaison en mètre pour le nom masculin et en folie pour le nom féminin. Avec la déclinaison mètre pour le nom masculin, on a par exemple sismomètre, anémomètre, hygromètre, chronomètre. Et pour le nom féminin avec phobie, on a par exemple logophobie, claustrophobie, arachnophobie, hydrophobie. Voici des exemples. Le sismomètre a enregistré les secousses sismiques de la région. La arachnophobie est la peur des araignées, même les plus petites. L'hydromètre indique le taux d'humidité dans l'air. La logophobie est une peur irrationnelle des mots ou de parler en public. Et maintenant, des exemples avec la terminaison en gramme pour le nom masculin et année pour le nom féminin. Pour le nom masculin avec gramme, on a par exemple
télégramme, programme, diagramme, monogramme. Et pour les noms féminins avec E, on a par exemple matinée, année, aller, né. Voici des exemples. Le télégramme annonçait une nouvelle importante pour la famille. La matinée ensoleillée était parfaite pour une promenade. Le monogramme sur la chemise lui donne une touche personnelle. Sanis est né au début de l'année. Maintenant, des exemples avec la déclinaison androme pour le nom masculin et amine pour le nom féminin. Pour le nom masculin avec la terminaison drome, on a par exemple syndrome, autodrome, hippodrome, palindrome. Et pour le nom féminin avec la terminaison anine, on a par exemple vitamine, machine, cuisine, racine. Voici des exemples. L'autodrome accueille des courses de voiture à grande vitesse. La vitamine C est essentielle pour renforcer le système immunitaire. L'hippodrome était animé par la foule enthousiaste lors de la course annuelle. La machine à laver a simplifié les tâches ménagères. Et maintenant, des exemples avec la terminaison année pour les noms masculins et ante pour le nom féminin. Les noms masculins terminant année sont par exemple Délé et C. Et pour le nom féminin avec T, on a par exemple Liberté, Égalité, Fraternité, Santé. Voici des exemples. Le délai accordé pour compléter le projet a été étendu. La liberté est un droit fondamental qui doit être préservé. L'essai littéraire explore les thèmes complexes de l'amour et de la perte. La santé physique et mentale est précieuse pour une vie équilibrée. Maintenant, des exemples avec la terminaison O pour le nom masculin et ans pour le nom féminin. Pour le nom masculin terminant en O, on a par exemple le bureau, chapeau, tableau, drapeau. Et pour le nom féminin, avec la terminaison ans, on a par exemple science, présence, éloquence, silence.
Voici des exemples. Le tableau accroché au mur racontait une histoire fascinante. La science progresse grâce à la recherche et à l'innovation. Le drapeau flottait fièrement au sommet du mât. Le silence qui régnait dans la bibliothèque favorisait la concentration. Et voici la fin de cette présentation. Merci beaucoup les amis. À la prochaine. Au revoir.